ici Rocky Paint, je repeins toutes vos façades. Oh, c'est vrai qu'il était tout pourri ce plafond et tout craquelé. On attaque le building. Hyper efficace. Salut les amigos, vous allez bien? Je suis sur un nouveau jeu aujourd'hui et il est juste trop fun. C'est Paint Simulator, c'est tellement rigolo. On a un petit spray, un réservoir et... il faut repeindre les murs, il faut être créatif quoi, comme moi. Regarde, là par exemple, les carreaux craquelés tout moches, hop, il faut les remettre à neuf pour que tout soit super beau et nickel. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on fait le boulot, on gagne de l'argent. C'est pas la classe. Alors, évidemment, si on est trop petit, on va pas se mentir, genre, comme moi, eh ben on peut pas repeindre en sautant, non. On en mettrait partout en mode... gros n'importe quoi, quoi. Alors, heureusement, on a un escabeau. Une petite échelle, quoi. Hyper pratique pour bien voir partout et pas déborder. La peinture est sur le dos, équipement de pro, et il y a une jauge à droite de l'écran. Donc, quand il n'y a plus de peinture, eh ben, on file à la cascade arc-en-ciel pour un refill. Super simple. Alors, ce qui est cool, c'est que plus on gagne de l'argent, plus on peut améliorer son pot de peinture et son pistolet de peinture. Comme toujours, il y a des niveaux dans le jeu, avec des zones à peindre différentes. Heureusement, il faut pas attendre d'avoir repeint toute la zone pour pouvoir passer à la suivante. Ouf, parce que sinon, ce serait beaucoup trop galère. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez aller directement à la zone suivante, en mode turbo, quoi. Et puis, si vous n'avez pas assez d'argent et que vous avez repeint toute la zone, vous pouvez appuyer sur le levier pour rester et donc remettre à zéro la peinture et recommencer jusqu'à ce que vous en ayez assez. C'est pas trop cool, ça? Ah oui, j'ai encore un truc super important à vous dire. On peut aussi acheter des œufs avec les pièces. Et dans les œufs, il y a des familiers. Oh, et ça, j'adore. Grâce à eux, tu vas avoir plus d'améliorations. Tu peux aller plus vite, tout ça, et c'est trop la win. C'est hyper important d'avoir un familier, parce que forcément, plus tu progresses dans le jeu, plus les zones à peindre sont grandes ou difficiles à atteindre. On peut carrément se retrouver avec des méga giga buildings. Du boulot de pro, quoi. Mais bon, repeindre, c'est aussi relaxant et zen, en mode Rocky méditation, quoi. Pchit, pchit, mou, pchit, pchit, mou. Oh. Yeah! Amusez-vous bien, les amigos. Tchuss! Oh là là, je vais mettre un peu plus de bleu, moi, je pense.